L'économie sociale et solidaire, c'est 10% du PIB, 2,4 millions d'emplois. French Impact est une initiative gouvernementale qui vise à déployer en fait l'économie sociale et solidaire dans notre pays, tant avec des grands groupes comme BNP Paribas, qu'avec des innovateurs sociaux comme la start-up Phenix. Phenix, c'est une entreprise sociale qui a été créée en mars 2014, d'abord à Paris et puis qui maintenant est dans une vingtaine de villes en France. Notre mission, c'est de lutter contre le gaspillage alimentaire, et ce, à travers trois canaux de valorisation. Le premier, ce sont les assos caritatives, pour donner une seconde vie solidaire aux invendus. Ensuite, dans un second temps, une appli mobile qui permet à tous les citoyens de venir faire un geste au quotidien contre le gaspillage en rachetant à prix cassé les invendus chez les commerçants de quartier autour d'eux. À côté de ça, les consommateurs ont le choix aussi de venir en point de vente puisqu'on a créé notre propre réseau d'épiceries solidaires. In 6 years, Phenix has created 150 jobs and saved 70 million meals from being wasted. Today, it has an annual turnover of 15 million euros. BNP Paribas a été un soutien depuis le début. Ça a été notre première banque à financer nos activités. On est fiers de travailler avec eux puisqu'ils montrent la voie aux autres banques sur le financement d'une autre façon de faire du business. Les entrepreneurs sociaux nous montrent qu'on peut très bien concilier un modèle rentable, un modèle pérenne et l'ambition d'avoir un objectif social et environnemental. BNP Paribas Act for Impact Initiative has always had an important place in the group and it plays an active role in the creation and growth of these innovative companies. D'abord, nous mobilisons toutes les forces de BNP Paribas autour des entrepreneurs sociaux. Alors aujourd'hui, Act for Impact, c'est en France 2000 entrepreneurs sociaux soutenus et 1 milliard d'encours de crédit. Et puis, nous actionnons un maximum de leviers. Alors d'abord, l'innovation financière, on diversifie les sources de financement. C'est aussi faciliter les connexions entre les entreprises dites classiques et ces entrepreneurs à impact pour accélérer. Notre but ultime, c'est que concilier impact social et environnemental et rentabilité deviennent la norme pour toutes les entreprises en France.